Eh bien bonsoir tout le monde, comment ça va l'équipage? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur PES 2016, oui, tout à fait Luffy. Donc aujourd'hui j'ai quelques petits commentaires que vous avez pu me faire dans la dernière vidéo de PES. Eh bien tout simplement, on va commencer par le lire, c'est Dimitri Pradali qui me dit « Vend Moya ». Et ne vends pas joue franc, parce qu'en fait j'avais comme idée de le vendre. Donc du coup je ne le vendrai pas. On va aller dans plan de jeu, je pense. Ah non, c'est dans négociation, je crois. Parce qu'il me dit Danilo, mais je crois qu'on l'a déjà acheté. On va regarder. Donc il me dit donc vends pas joue franc, joue en franc. Joue en franc est très performant et très bon. Je te déconseille d'acheter Danilo. Il est bon, mais pas suffisamment pour le prix. Il coûte donc cher dans le jeu. Aurier coûte moins cher et il est très talentueux et plus physique et rapide que Danilo. Donc on n'achètera pas Danilo, à moins que ça soit déjà fait. Est-ce que c'est déjà fait? Je crois que c'est déjà fait. Et du coup, Aurier. Du coup, on va peut-être vendre Danilo. Son salaire était d'un million, d'accord. Donc, en fait, ne pas vendre joue en franc. Donc là, on va refuser. En plus de ça, il voulait le faire transférer. Donc là, on va faire passer... on peut suspendre. On va suspendre les négociations. Parce que c'est un de mes défenseurs, donc on va pas le transférer. Je te conseille... alors, il me dit aussi, Dimitri. Donc, d'ailleurs, merci à toi pour le commentaire. Merci vraiment. Dimitri qui me dit, je te conseille aussi de faire jouer Suarez plus souvent. Et vu qu'il est jeune... J'ai du mal à lire. Excusez-moi. Vu qu'il est jeune, de le mettre sur la liste des transferts. Enfin, la liste des... Pas de transferts, des prêts. Donc bah du coup je pense que c'est ce qu'on fera. Et voilà, c'est tout. Continue comme ça. C'était au top. Voilà. Enfin il m'a dit voilà c'est tout. Continue comme ça, t'es au top. Waouh, Luffy prend le temps de lire. S'il te plaît. Hein, parce que nous les oreilles, on en a marre. Bref, merci encore beaucoup Dimitri pour ton commentaire. Et bah comme vous avez pu le voir, si vous mettez des commentaires, boum, elle apparaîtra sur la vidéo. Donc merci infiniment à toi. N'hésitez pas à m'aider, vu que je suis en galère des fois. Du coup voilà. Alors, Aurier, est-ce qu'on peut accepter l'invitation? Alors, faisons oui. On n'a pas de fonds suffisants. D'accord. Moya. Ah, le problème c'est qu'on peut pas vraiment. Alors Danilo, du coup, au pire, ce que je peux le faire, c'est genre, au pire, on peut peut-être le vendre ou vendre des. Parce que Moya, le problème c'est que Moya, j'aurai qu'un seul gardien et le problème c'est que quand on veut faire tourner l'équipe, les gars. Si on se retrouve qu'avec un seul joueur, ça va être compliqué. Du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je pense qu'on va... Enfin, si on vend Moya, après, on n'a plus de gardien. Il y avait Suarez, il m'a dit de faire jouer Suarez. Je ne vois pas Suarez. Ah, Suarez est là. Mais Suarez, c'est un... On peut le mettre en quoi? D'accord, donc on peut... Ah oui, il avait 80 mecs. Ah oui, d'accord Dimitri, je ne savais pas du tout. Enfin, je ne parle pas qu'à Dimitri, mais d'accord. Je ne connaissais pas du tout Suarez, d'accord. Et Suarez, du coup, en fait, je peux le mettre à la place de Soul. D'accord. Je ne sais pas si on doit le mettre sur un des côtés. Ou alors, au pire, je peux faire ça comme ça. Et lui, le mettre... ouais, ben non... Je pense qu'on va faire ça comme ça. D'accord. Ok. Bon, bah, on a vraiment une bonne équipe. Hein. Et au pire, Suarez, il m'avait dit de le mettre dans la liste des prêts. Mais au pire, je peux mettre lui sur la liste des prêts. Alors, je sais pas comment... Alors, attendez, on va faire B. On va aller dans négociation et on va faire liste des prêts. La liste des prêts. Comment on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Faudrait que je regarde ça, sinon après le... Après l'épisode, du coup, Moya, je sais pas si je le vends ou pas.
Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le vends. Je pense pas le vendre parce qu'il me faudrait quand même un deuxième gardien si mon premier est blessé. Du coup, voilà. Donc je sais que cet épisode est très attendu. Je commence à connaître mon équipage. Je sais. Par contre, je sais pas du tout dans quelle rubrique sont recherche avancée, rapport de suivi, offre de manager. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, offre de manager. Je me rappelle plus. Alors, secrétaire. D'accord. Ceci. Alors, c'est ici que vous pourrez avoir les offres. Bla bla bla. D'accord. Ok. Athletic Club, d'accord. Offre reçue. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de changer pour l'instant. Ouais, bah je ne sais pas comment on fait pour la liste. Renouveler les contrats, d'accord. Bon, ici, bon, c'est là qu'on renouvelle les contrats, blablabla. Peut-être qu'en fait, c'est ici, genre, si on clique sur lui. Ah, là, c'est ici. Ok. On a trouvé, les gars, on a trouvé! Oh, Roberto. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, c'est lui. Et j'aimerais le mettre sur la liste, au pire, même des prêts. Voilà. Ou même des transferts. Bon bah écoutez, on va faire ça comme ça. Quel joueur vous me conseillez de mettre dans la liste des transferts et les joueurs de la liste des prêts? Vraiment, hein, sincèrement, parce que je sais pas. Il manque des sous pour Aurier. Il manque des sous. Et j'ai pas envie de vendre mon gardien. Parce que si on repart, je sais pas, on va voir. Donc là, par contre, j'ai pas fait gaffe. Oh, bon, ça va, on est contre le Palmas. Donc, coup d'envoi, c'est parti. Donc là, je rejoue avec la manette Xbox One. Et franchement, c'est vrai que c'est cool parce que j'ai joué sur une manette 360. Et c'est vrai que la manette 3.6, elle commençait à se faire un peu vieille, tu vois. Ouais. D'ailleurs, merci à vous qui me regardez en live tous les soirs. Voilà, ça fait avancer l'équipage. Je peux m'acheter du rhum. Voilà. Ah là là. Bref, trêve de bavardage. On continue, c'est parti. C'est vrai que ce petit PES16, j'ai pas fait énormément d'épisodes comparé à l'année dernière. Mais c'est vrai qu'entre les streams, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, j'ai aussi ma chaîne principale de stream que j'essaye de récupérer depuis 2 mois. T'inquiète, on va la récupérer. Non, mais je vais la récupérer. Et voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. De toute manière, on a presque atteint les 1000 abonnés sur Twitch. C'est un truc de fou. Vas-y, la petite passe. Vas-y, on fait tourner. What the fuck? Je viens de faire un truc, j'ai même pas fait exprès. Allez. Allez. Oh, rip. Je voulais faire une passe ronde. Yeah! Allez, Blanc. Allez. Nickel. What? Ah bah oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. T'es hors jeu là. Changement. Putain, merde. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est quand même une bonne équipe. Il me semble qu'ils ont gagné, ils ont éliminé le Barça. Il me semble. Ils ont fait un. Ils avaient perdu 1-0 à l'aller. C'est en live, on m'a dit Luffy. Ils ont perdu 1-0 à l'aller. Il me semble qu'ils ont perdu 2-0 au retour. Et que c'est le mon club qui est qualifié. Oh, les a pack-pack. On les a pack-packés. Ouais. What the fuck? Rends-moi la balle, Billy. Attends. Donne-moi la balle. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Attention. Moi, je fais toujours Et le ballon a franchi la ligne. je fais toujours assez attention avec ces clubs-là parce que putain, genre ils ont vite fait de. Oh fuck! Wow, j'ai été mis tout à côté. Ok, vas-y, vas-y. Oh putain, il a fait me dribbler, le bâtard! Bâtard de ses morts! Allez, coquet! Ok, allez, Griezmann! La passe en profondeur! Oh le bâtard! J'ai. Oh, rip. J'ai cru que j'avais réussi à la choper. Et non du tout. Et non du tout. Alors, attends. Yep. Voilà, fais tourner la balle. What the fuck? Mais sérieux là? Où est les nègres? What the fuck? Attends, non, non. What the fuck? What the fuck? Putain, la chance. Allez, allez les gars. Allez, allez Griezmann. Allez Griezmann, on va aller au centre. Au centre. Allez Grisou. Ah putain, je suis trop petit. Putain, merde, c'est con qu'il faisait pas 4 mètres de haut. Ah putain, trop, trop, trop haut. Dommage, dommage. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Allez. Allez, yeah. Yeah. Attends, non, non, non. Ça va pas, ça va pas. On va essayer de faire des petits changements si je marque un premier but. Griezmann. Allez, oh Grisou! Grisou!
profiter. Oh, mais non, Billy. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, allez, Suarez. Allez, Suarez. Oh, putain. C'est pas Suarez de Barça. Hein. Non, parce que, en cas où que. Je préfère le dire. Hein. C'est bon, il n'y a pas qu'un seul Suarez dans le monde. Hein. Enfin, ouais, bon, bah, 0-0. 0-0. Bon, bah, on va faire. On va faire un. On change ou pas? Non, on va continuer. Je me marque un but. Et dès que je marque mon but, on fait des changements. On va faire deux changements. Parce que si jamais j'ai un joueur qui se blesse, du coup, voilà. Oh, le petit pont. What the fuck? Nous d'un casual gamer. Allez, Thiago, la petite passe. Le triangle, c'est le triangle des perfs. Ok, c'était nul. Waouh, vas-y. Allez, allez les gars, allez, bats-toi. Merde, putain, Billy. Putain. Attends, on va éviter de le faire courir pour rien. Ok, c'est bon, on a récupéré ça, c'est cool les gars. Allez. Oh là là, je sais pas, il y a personne les gars. Il y a personne. Si, là, il y a un mec. Il y a un mec, Thiago. Thiago. Griezmann. C'est vrai qu'on avait perdu le dernier match. Ah, Grisou. Ah là 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 là. Oh, Grisou. Oh oui. Oh oui. Oh non. Ah, c'est extérieur du pied, quoi. Ah, il aurait pu être tellement beau, quoi. Ah non. Pourquoi? Oh putain. Eh, Blanc, je crois qu'en termes de transfert, on n'aurait pas fait mieux. Franchement, le gars, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, patate. Allez. Ah là là. J'adore mon club. Je sais pas. Je sais pas si la fin de la saison va continuer. Bon, on n'y est pas encore, hein. Faudrait déjà que j'y arrive. Oh non, fuck. Oh fuck. Bon, allez, on va faire un changement. On va faire un changement. On va regarder qui est fatigué. Oh là, bon, on va changer les deux attaquants, je pense. Il y a Fernando Torres qui est chaud patate. On va le mettre là. Voilà, contre. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Lui. Contre. Lui, voilà. Ouais, bah non, les deux attaquants. Torres, et on va mettre. Mandzukic. Bon, bref, Osef. Let's go. C'est parti. Nom d'un pépito, tout carré. Waouh. C'est sorti. Nul. Merci. Allez, Blanc. Torres. D'accord. What the fuck? What the fuck? Attends, on va essayer de récupérer ça. Bon, du coup, on a fait les changements. Les gars, oh, ça joue bien. Oh merde. Le problème que j'ai là avec mon équipe, c'est qu'en fait, je les trouve qu'ils sont un peu trop séparés. Tu sais, ils viennent pas à l'appel de balle. Je trouve ça un peu dommage. Ah, regarde, là, il y a personne, tu vois. Il y a personne. Enfin, en fait, je trouve que là, Mandzukic, il aurait pu venir vers moi et m'aider, tu vois. Et il l'a pas fait. C'est le problème. Non. Yeah. Allez. Mais what the f... Mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi les gars? Oh putain, il y a l'adversaire qui a changé de dispositif. Oh non! Oh putain! What the fuck? Oh putain. Ah, cette chance de cocu. Oh putain, je crois que Naimi me trompe. Bordel, le Torres. Allez, Fernando Torres. Ouh, c'était bien joué. Putain, je vais m'en tirer avec un match nul. Non, les gars. Non, pas match nul. Pas match putain de nul. Putain, c'est moi qui est nul. Allez. Non. Oh putain, cette parade de malade. Non. What the fuck, mec. J'ai failli prendre tellement cher. C'est abusé, quoi. J'ai failli prendre trop cher. C'est un truc de... Bref. Du coup, voilà. On va faire un petit... Allez, c'était...
Waouh. Allez. Oh putain, c'est le match nul. Mince. Bon, et eh ben c'est pas grave. Match nul, bon. Ben, on va dire que. On va dire un match de transition. On a fait on a perdu le dernier match. Ce match-là est un match nul. Le prochain, on va gagner, les filles. Il faut se motiver. Just do it, tu vois. Bon. Au fait, j'avais pas Danilo. Ah non, c'est peut-être quand il y aura les transferts. Du coup, en fait, peut-être que tu peux faire des pré-transferts. Donc, genre, tu signes avec le mec et puis il vient au mercato. D'accord. Alors, match nul pour l'Athletic Club Villarreal. Madrid en a fait match nul aussi. Le Barça 3-1. Betis qui a fait match nul. Le Real qui a gagné. Bon, bah, eux, de toute façon, ils s'envolent. Nous, on stagne. On perd même des places. Va falloir absolument qu'on gagne. Parce que là, les premiers se. Par devant, donc il va falloir qu'on fasse attention. Alors, Blanc qui passe à 80, pas mal, et Griezmann qui a augmenté aussi sa compétence. Et ben c'est génial. Et Garcia aussi. Par contre, c'est vrai que le gardien, il a fait un putain d'arrêt alors. C'est GG. On a un super gardien, c'est cool. C'est cool. Bon. Du coup, et ben prochain match. Oh putain, merde. Oh non. Pourquoi? Non. Putain, je me tape encore une défaite. Non, on part gagnant. Fucking do it, gars. Allez, mon gars, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire. De quoi, Suarez? Waouh, Suarez. 15 millions. Non, mais non. Je peux te le prêter si tu veux. On peut? Non. Alors, attends, passez l'offre. Changez le contenu des négociations. Choisissez une politique de négociation. D'accord. Augmenter le montant. Choisir le quoi? Non. Eh ben, c'est pas grave. Je vais dire suspendre les négociations. Je vais faire confirmer. Moya, je vais faire... Moya, je pense que je vais faire... Je pense qu'on va faire suspendre les négociations. Parce qu'en fait, du coup, j'en ai pas besoin. C'est malheureux, mais je pense qu'on va suspendre les négociations. Il n'est pas à vendre. Par contre, Aurier, je le veux vraiment, quoi. C'est vrai que c'est un Français. Et ça ferait plaisir, tu vois. Et en esprit d'équipe, on est à 97. Hein. On est à 97. Je sais pas si tu te rends... Putain, je fais un match après contre Londres. Non mais quand je te dis que moi j'ai pas de chance. Non mais il y a tout qui est contre moi. Ils veulent pas que je gagne. Mais je gagnerai, tu l'auras pas ma vie. Putain, ça va pas se passer comme ça. Ça se passera pas comme ça. Et je gagnerai. Bon, par contre j'ai fait le con là parce que j'ai pas changé mon équipe. Mais normalement l'équipe de base elle doit être bonne. On va passer ça. Et on va partir direct à la guerre. À la guerre, capitaine. Ok, c'est parti. On va y arriver. Ça veut rien dire. On peut les battre. Allez, on peut les battre. On l'a fait en vrai. On peut le faire. Et on a. Ils ont la possession, les gars. C'est un. Je me jette pas. Faut pas que je me jette. Si je me jette. Oh là, ça sent la ruine. Voilà, c'est ça qu'on veut. On casse des jambes, mon pote. On n'est pas là pour faire son bon, là, bordel. Yeah, nickel. C'est bien possible. Il est une base indispensable. Allez. Voilà. Wow. What the fuck. Putain, Neymar, les gars. Allez, on perd pas cette balle. Let's go. Allez, on lance ça. Contre-attaque. Allez, Griezmann. Yes. Avec Grisou. Oh non, il y avait faute là. Mais non, je voulais la. Putain, je la joue mal là, les gars. Il y avait Oblanc qui était un peu plus loin. Ah, attendez. Voilà, nickel. Non, il y a rien là. Allez, on fait tourner la balle. Oh fuck. Xavi, il chope la tête. Tiens, d'ailleurs, Xavi, il avait pas pris sa retraite. Lui. Oh, on a coupé la balle à Messi. Ça joue bien, là. Allez. Mais il fait quoi, lui? Allez. Oh, Grisou. Allez. Oh, oui. Oh, c'est la... Paf. Allez, c'est moi le sniper. Je suis un sniper d'élite. Tu ne mourras pas. Mais non, mec. Ce but du futur. Ce but du futur.
Oh là 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 là. Et on va battre le Barça. Moi j'ai confiance. J'ai confiance. S'il avait pas contré ma balle. Oh ce but, il est magnifique. Il est magnifique. El Blanco de Coco. Regardez-moi ça. En fait c'est là, là. Là, j'aurais même pu faire une feinte de frappe. Et là, je pensais pas qu'il allait la mettre avec son pied gauche. Hein. Il était pas gaucher du tout, Blanc. Et il me semble que c'est au Blanc. Ouais. Notre nouvelle recrue. Et ouais. Tu vas coûter des millions, mec. Tu vas coûter des millions. Et ouais. Bref, on va passer ça. Yes. Ça, je suis content. Je peux perdre tous les matchs de la Terre, mais si je gagne contre le Barça. Eh ben, j'ai gagné tous les matchs. Je m'en fous. Je peux perdre tous les matchs de la saison. Allez. Hop là. Non, mec. Putain, ils sont trop forts. Oh les bâtards. En fait, j'ai sorti Garnier, j'aurais pas dû. Oh, je suis dégoûté. What the fuck. Mec, le but, il est trop beau. Enfin, franchement, il joue super bien, quoi. Il joue trop bien, quoi. C'est trop chaud, quoi. Parce qu'en fait, vous allez voir, genre, il y a un moment donné, tu vois, ils font une passe, hein, bref, on s'en fout. Mais en fait, je sors le Garnier, j'aurais peut-être pas dû. C'est la tête que j'ai pas vue. Bon, c'est pas grave, les gars. Allez. Oh non, putain, il y avait presque là, il y avait moyen de moyenner, les gars. Il y a moyen de moyenner, putain. Je m'en fous, ils marqueront plus là. Je suis déterminé, je suis un mur. Je suis la muraille de Chine. Dégage! Ah, ils sont vachement forts. Oh là là, regardez-moi ces passes quoi, mais laisse tomber, mec. Je suis obligé de la jouer physique parce que sinon c'est même pas la peine. Allez Thiago, Griezmann, à Grisou. Oh mais non. Allez au centre. Allez le centre. Oh là là là, ça défend super bien quoi. Oh putain, il y a 1-0. Enfin, il y a un plutôt. Putain, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est, t'as une pression là. C'est, j'ai l'impression de passer mon bac là. What the fuck. Ok. Ok, bon, c'est parti. Seconde période. Là, il était petit match. C'est parti. Allez. Ok. Là. Mario Suarez. Allez. Juan Fran. Allez. Alors, on peut pas, ils ont fermé la défense là. Thiago. Mario Suarez. Ta Grisou. Oh Griezmann. Ah là 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 là. Là. J'essaye, hein. Je l'attente. Hein. Je m'en bats les couilles, frère. Allez, on fait tourner la balle. Oh oui. Oh, c'est bien joué, c'est le tir. C'est encore qui? C'est qui joue comme ça? Pas Thiago. Ah, c'est Oblank. Oblank, il est chaud, mec. Il est super chaud. Mec, ce gars, si on le revend, on va se faire des minis. Je le revendrai pas. C'est marrant. C'est lui qui marque pratiquement tous mes buts. Allez, on va faire un petit corner comme ça. Allez, elle est belle celle-là. Elle est belle, je la sens bien. Oh. Toujours un joueur du Barça pour intercepter mes balles. Eh, hey, c'est un truc de malade comment ils arrivent à dribbler. C'est la dernière demi-heure de la rencontre. Ouais, c'est un truc de fou. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Attention, faut faire très attention à comment il part. Cette longue phase offensive qui se termine par une perte de balle, c'est dommage. Oh là là. Oh là là, comment ça joue bien au Blanc. Oh le bâtard, comment il m'a taclé. Comment il m'a défoncé. Et il a tapé dans ma cheville, ça fait. Allez hop, dégage. Ah ouais, non mais. J'aurais pu être failli. J'ai failli être blessé, mec. Mec. Alors, allez. C'est quoi, c'est Cook? J'ai qui? 82. On pourrait faire tirer Griezmann. Mais non, allez, on va faire tirer lui. Allez, elle est belle. Oh, oh non. Oh non. Putain, là. Elle est trop belle. Putain de fuck.
Allez, allez, celle-là elle est belle. Oh, trop long. What the fuck? What the... Mec, c'est un truc de malade ce match. Ce coup franc qui tape le poteau. Oh, ils ont quand même un super gardien. Allez Gabi, ça joue bien. Ça joue bien, ça joue bien. Ta gueule, dégage, piqué. J'ai pas le piqué. Allez. Oh putain, non. Mais putain, c'est un truc de fou. Ça joue super bien, mais... Non, c'est les gardiens. T'as le gardien, t'as... Ça va finir sur un match nul, les gars. Soit match nul, ou soit je vais m'en prendre. J'ai le pressenti. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai tellement moyen de mettre des buts et... Non. Récupère-moi ça. On se dirige vers un match nul. C'est le moment ou jamais de marquer ce but. Allez. Allez. Allez, c'est le but. Non, mec. Mais putain, Grisou. Mais ça va, tranquille. Putain. Attention à la contre-attaque, les gars. Oh là là, la contre-attaque. C'est bon, on a la balle. What the fuck? What the fuck? Oh, ce but. Oh non. Je t'emmerde, Messi. Mais non, mec. Oh, je suis blasé. Mec, il t'a fait un enroulé. Il t'a enroulé la balle. Mais c'est... Putain. Et nous, tous les tirs qu'on a fait, c'était à côté. Quoi. Ah, oh, je suis dégoûté. Putain, on se tape que des matchs nuls. Oh là là. Mais putain, et puis ça passe pas, hein, tu peux pas. Ils ont une équipe. Allez, mais bordel, marque, putain de fuck. Putain, non, 2-1. 2-1. Je suis dégoûté, mec. Je suis dégoûté, quoi. Ils vont sûrement repenser à toutes ces occasions manquées pendant la rencontre. Salopri de Messi, casse-toi. Je suis grave dégoûté, mec. Mais c'est abusé, quoi. C'est abusé, quoi. Et Griezmann qui tape qu'un 6, faut pas abuser non plus. Bon, je pense qu'au prochain match, on va faire tourner l'équipe. Peut-être que au niveau de la condition physique, ils n'étaient pas assez performants, je sais pas. Pourtant, on a essayé, hein. Le nombre de tirs qu'on a mis à côté. Bon, bah, 2-1. On perd encore. Ça fait 3 matchs là qu'on perd. Ça va pas du tout. Ouais, fort qu'on voit ça. Bah, le Real qui a même pas fait mieux. Ils ont fait un match nul. On est 8ème. Si on gagne, prochain match, on peut remonter 5ème. S'ils gagnent pas, ouais, faut qu'on remonte dans au moins les 4 premiers. Parce que là, ça ne va point du tout. Godin, passé à 88. Ok. Et j'ai fait moins 8000. Ah bah, je perds de l'argent en plus. Ah bah, super. Super. Et puis, ça sera un match de. Oh, Ligue des Champions contre Londres. D'accord. Et bah, ça tombe bien. Puisque je sens que le prochain épisode, les gars, il y aura moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen. Donc là, Ourier qui nous demande... Je sais pas si on peut changer les négociations. Si on peut faire réduire le montant de transfert. Je sais pas. On va demander ça. Ou peut-être changer contre un autre joueur. Parce que Ourier, c'est quoi, un défenseur? Peut-être contre... je sais pas. Parce que Ourier, il a quoi? Il a 80? Un truc comme ça? Je sais pas, peut-être contre un... Ouais, contre... Au pire, on fait juste un demande d'échange. Non, on va demander un... On va demander un... Comment dire un... On va demander un... Une réduction de montant, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Bon, on va attendre la réponse. Nous, on a réussi à transférer... il me semble... Vous ne pouvez pas entrer en négociation avec le joueur qui est sur le point de... Ok, d'accord. Donc voilà. Bon, par contre, je sais pas quand il arrive. Donc on verra ça. On verra ça. Je vais regarder quand même dans mon équipe. Mais il me semble qu'on l'a pas encore.
Normalement, on l'a pas encore. Non, on l'a pas encore. Eh ben, du coup. N'hésitez pas à me dire dans le prochain épisode, tu peux comment changer l'équipe. Parce que là, du coup, je pense qu'on a une bonne équipe. Ouais, ils sont pas trop trop fatigués, je pense, pour faire le match contre, contre Chelsea. Et puis, voilà. Je pense peut-être changer Torres. Peut-être à la place de Griezmann ou de Hublanc. Et peut-être mettre on verra ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, on va remonter la pente, je le sens. Je le sens dans le prochain épisode, hein, tu vois, motivé, tout ça. Merci à vous de regarder cet épisode. Je vous laisse quartier libre. Peace et plop. À bientôt.